Nous avons un appel par les militaires démobilisés pour la sécurité dans le pays, particulièrement le 17 octobre, côté opposition prévoit faire un pile désordre. D'après ça, dit explication Rosemont Jean, dans le micro de Johnny Ferdinand. Utiliser Haïti comme un espace pour faire communauté internationale, là, prendre comme un arrière de cour, comme la cour, comme un corridor, comme un espace côté où j'étais déchet, bien, pour nous-mêmes, c'est grave, son scandale, et nous dénoncer. Nous dénoncer ensuite Moïse Jean-Charles, Maryse Nassis, Mété avec Maître André Michel et autres. Qui faut que je me reconnaisse que la politique leur a fait l'imando la sagesse. Le fait qu'il n'y ait pas rien comme activité pour faire, eh bien, il y a pour payer en otage. Nous demandons pour militaires de mettre en civil dans la rue. De 16 octobre à 17 octobre, c'est pour tous les militaires qui ont aidé le président Jovenel. Parce que Jovenel voulait. Haïti voulait un monde qui a un bras de fer qui pour gérer le pays. 17 octobre. Depuis ce n'est qu'à venir dans la manifestation, c'est pour la police fouiller pour essayer de 4 identifications nationales sur eux. Et tout ça qui a 4 identifications nationales pour sur yo, dans le quartier populaire, côté absorti, pour venir craser bagay moun, venir voler, venir craser vite machine, venir piller, venir mettre caoutchouc, mettre barricade, nous pas dire qu'on doit manifester, mais il faut qu'il y ait 4 électorales sur yo. Et demander pour la police fouiller yo, parce que toi qui as fait des autres dans la manifestation, yo, yo pas de 4 électorales ou pas qu'à identifier yo, et c'est ça que fait Abdi, c'est des citoyens qui ont arrêté, qui pas gagné pour eux. Nous demandons, militaires, depuis au barré à nez, cap craser vite machine, cap piller, cap voler, arrêtez mounio, remettre au la police. 17 octobre, la rue en a menou. De 15-16 octobre, la rue en a menou pour que nous permettre, nous mettre l'ordre à des ordres. Nous dit, tout le cap d'une manifester, cap saute dans le quartier ghetto, cap d'une faire zak malhonnête, ils sont supposés accompagner des cartes électorales. Et de pouvoir avoir des cartes électorales, la police a arrêté. Quel que soit dans le quartier qu'on sorti. De pouvoir avoir des cartes électorales sous, la police a arrêté. Si on n'a pas de cartes, si on n'a pas de cartes, pas prendre la. Parce que de pouvoir prendre la liste de cartes électorales, la police militaire a un mandat, une mission pour arrêter nous, remettre nous dans la police jusqu'à ce qu'elle fasse carte électorales. Nous disons nous-mêmes, bon côté pas nous. Force réserve, moi-même en tant que conseiller politique, force réserve, en tant que coordonnateur qu'on a sauvé, nous demandons à tous les militants, dans tout quartier populaire qui était accompagné du président Martelly, qui sortit de Martelly, à Jovenel Moïse, nous demandons de prendre responsabilité, pacifiquement, gérer le quartier, afin de mettre barricade, de tirer dans le quartier, de mettre barricade, de mettre troupes. Prendre responsabilité, moun sa yo prend yo, remettre yo la police. Pacifiquement, sans violence, à faire machine à brûler, barricade à mettre, magasin à casser, il y a fouillé machine, prend radio machine, casser pour être machine, casser pour être monde qui a vendu téléphone dans la rue. Nous voulons pour ça finir, c'est pour tout militant qui est dans le ghetto, qui est dans la base, yo. Nous prenons responsabilité, nous, parce que c'est tout bon, président Jovenel Moïse voulait mener le pays à un côté.